Salut à tous, c'est Loulou du 80 pour un nouveau tuto astuce. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire ceci à l'écran. Donc vous voyez bien les reflets sur le verre, les cubes en verre. Donc et si on avance, vous voyez, donc ça bougera et puis voilà quoi. Ça va être assez sympa à faire. Donc on va tout de suite commencer par faire un nouveau fichier et les réglages. Donc on va dans sortie, on met film et vidéo, vous mettez HDV, HDTV 720 2997. Ensuite, vous mettez au milieu d'images courantes, vous mettez toutes les images. Ensuite, d'enregistrer chemin d'accès, vous l'enregistrez où vous voulez. Donc, hop, je vous mets dans le biome. Non, hop, là, pas grave. Ensuite, format, vous mettez le vote, donc c'est soit film AVI, soit film QuickTime ou bref ce que vous avez. Ensuite on va dans voilà, anti aliasing, au milieu de géométrie vous mettez au mieux et au milieu d'image fixe vous mettez animation, et ici au milieu de 4x4 vous mettez 2x2. Hop, voilà, et réglage en film. Donc ensuite on va commencer par tout de suite faire le sol, faire un cube, le sol, on prend tout d'un coup, hop, excusez-moi, je me suis trompé, un sol et la répartition, un texte, on prend tout d'un coup, et extraction NURB, voilà, donc on glisse le texte dans extraction NURB, et répartition dans cube, cube dans répartition, désolé, excusez-moi. Hop, donc lumière cible, je vais supprimer, c'est pas bon. Hop, voilà. Donc on va commencer. Déjà, on va mettre un peu de couleur en sol. Donc, soit moi je vais mettre des matières. Donc, les matières, il faut Banri, Bandi, non, il faut pas Bandi, il faut chain, ma belle, non, donc voilà, c'est bon. Donc il faut Ninke, chain, Bandri, pro pyrocluster et traceur de volume, voilà. Donc hop, je supprime. Voilà. Et dernier, si vous voulez mettre du rouge à la place du, et ensuite ça va être tout. Donc vous glissez le bleu dans sol, ensuite vous remettez à zéro. Qu'est ce que j'ai fait quand même, donné zéro, voilà. Hop, ensuite vous prenez le texte ici, vous faites vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre Louis du 80. Hop, en police vous mettez celle que vous voulez, je vais mettre celle là hop, t'en fous, c'est pas grave, c'est juste pour là. Ensuite vous cliquez sur extension mur, vous mettez ici vous mettez la longueur que vous voulez. Ici vous mettez, si vous voulez le mettre en travers, donc moi je vais mettre même pas ouvert, allez hop. Ensuite ici vous mettez couvercle et biseau si vous mettez du relief. Hop, voilà. Ensuite vous cliquez, vous sélectionnez les deux, vous faites les deux, l'icône avec les deux ronds là, avec les deux flèches. Ensuite vous mettez tout ça comme ça. Et là, en fait vous avez pas besoin, vous prenez chaîne et vous le mettez sur extension mur, et voilà, le texte normalement est comme ça. De près ça fait moche, de loin ça fait pas mal. Donc hop, une répartition. Donc déjà les cubes, on va déjà faire, vous mettez la taille que vous voulez des cubes. Moi je vais mettre 100, non je vais laisser 200 comme ça, c'est ce que j'ai fait pour la démo. Donc hop, ensuite rayon, bah moi j'ai 40. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Puis là, dans objet, non, dans répartition, vous arrondissez le rond comme vous voulez. On va aller un peu plus vite.
Voilà. Ensuite, vous mettez copie, vous mettez ce que vous voulez. Oh, pas trop. Hop là. Ensuite, amplitude, vous mettez. Je sais pas. Hop. 100, 200, moi je vais mettre. Et là, si vous faites play. Et non, c'est pas ça, c'est. Je vais faire ça. Hop. Vous mettez en fréquence, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Et là, ça bouge. Un peu trop même. Parce que ça sort du sol. Sinon, amplitude, il faut pas mettre trop. Il faut mettre même pas 50. Hop. Ensuite, en fréquence, vous mettez. Ce que vous voulez. Moi, je mets 2 par exemple. Hop. Voilà. Fréquence dans la partition. Vous mettez ce que vous voulez. Je vais en mettre 2 aussi. Voilà. Ensuite, on va aller dans. Vous mettez le binary, celui qui est transparent, dans répartition. Et voilà, ça fait déjà la moitié de fait. Il ne reste plus qu'à faire le feu. Donc il faudra. Donc voilà. Ensuite, il y a. On va faire le feu. Donc il vous faut pour ceci environnement et un émetteur qui se situe dans les quatre flèches. Environnement là. Et émetteur dans le dernier ici. Ensuite, vous les mettez, vous allez dans coordonnées, vous mettez 90 et ensuite vous le déplacez derrière. Hop. Ensuite, vous faites pareil pour l'environnement, vous mettez 90 pour que ça se dirige vers le haut. Hop, et vous glissez derrière. Oups, et là. 0 et voilà. Ensuite, vous allez dans celui-là, le Pyro Cluster. Ensuite, vous allez en bas. Dans pré-réglage, vous mettez soit feu, enfin vous mettez ce que vous voulez, soit feu, soit boule de feu. Moi je vais mettre boule de feu. Hop, voilà. Ensuite, vous mettez traceur de volume dans environnement et vous mettez pyro, je sais plus trop quoi là, dans émetteur. Donc là, normalement, ça fait le feu. Je sais trop regarder juste un coup parce que ça c'est long. Voilà, il y a le feu. Donc voilà. Ensuite, on va mettre une, deux, trois lumières, vous en mettez une derrière, pas en hauteur mais en là. Vous la soulevez un tout petit peu du sol, même pas 10, hop, voilà. Ensuite vous faites, pour faire un effet vers les ombres devant, vous mettez ombre, vous mettez suivi de rayon, ombre franche et visibilité volumétrique. Ensuite vous allez dans bruit, vous mettez visibilité. Ensuite ici vous mettez dans le vent ce que vous voulez, c'est pour faire un petit effet parce que 0 ça fait ça bouge pas quoi. Et dans vos vélocités du vent vous mettez 1. Ensuite vous arrondissez ce cube, ça c'est pour la fumée bien sûr, je vais le dire. Hop, vous mettez là, je vais mettre là. Et là on peut voir déjà normalement quelques petites ombres ici même. Ouais, ça va être long par contre. Au pire, on le fera tout à l'heure parce que c'est vraiment long. Je vous mettrai à la fin. Donc ensuite, on va prendre les deux autres. On prend les deux autres lumières. Vous les mettez à droite et à gauche. Hop, voilà. Vous mettez un peu plus, ça va être plus un petit peu. C'est une idée. Vous mettez généralité. Attends, on va aller dans la routine. Donc là, vous choisissez celui que vous voulez. Moi, par exemple, vert, voilà. Donc là, vous remettez la couleur pour que ça éclaire vert. Donc, on va mettre ça là. Et on va mettre une tranche aussi. Et voilà. Le texte, je vais un petit peu le dire, peu suivi, si vous voulez un peu, ça va être comme ça, vous allez changer. Ensuite, vous prenez l'autre lumière, vous allez passer à gauche du texte, vous mettez ce que vous voulez, à gauche. Je vais mettre à peu près là. Je vais le mettre un peu bas, un peu plus bas que l'autre. Donc encore un peu, voilà. Hop, voilà. Ensuite, vous remettez une lentille, je crois que j'ai mis pour ici. Je crois que c'est ça. Ensuite, on va prendre générique. Vous mettez la couleur que vous avez choisi dans la lentille. Donc, je choisis celui de l'une. Ensuite, une tranche. Et voilà. La fumée devant par derrière.
avec le tour de la vitrine. Donc voilà, je viens de donner. Normalement, il manque rien. On va attendre un peu. C'est assez long. Normalement, il manque rien.